Ah, tu fais à la cuillère, Nicolas? Ouais. Alors aujourd'hui, c'est toi qui fais la pâte à pizza? Hein? Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais faire un volcan. Un petit volcan? Fais un petit volcan? Bon, je t'ai préparé levure plus eau Et plus je dois mettre tout sucre. ça? Ouais, ben petit à petit. Ok. Tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup, hein. Mais peut-être tu as agrandi ton volcan? Voilà, comme ça. Peut-être tu veux faire sortir. Hein? Fais un petit peu plus large, Nicolas, c'est peut-être plus simple, là ça va être difficile, non? Non. Non? Oh là 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 là, le pro, le pro, le pro, le pro. Bien vu. Bon, moi pendant ce temps, je fais du hachis parmentier. Okay. T'as vu un peu la classe là? Ça, c'est le viande de porc hachée menu pour faire un hachis parmentier dans le four. Je crois que ça va être quelque chose hein, aujourd'hui. On va se régaler, petit Nicolas. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais? Tout ce que j'ai mis, il n'y a plus. Ça y est, ça a déjà disparu? Non. Ben voilà, tu Ah, refais un attends, petit il y en a volcan. Maintenant, tu dans peux y aller mon avec les mains, volcan, hein, il y bébé, en a je encore un peu. pense. Attends, je mets tout. Ouais, Là, je pense que tu peux y aller avec la main, hein. Tu sais. attends, je le mélange et Normalement, il y a puis. assez d'eau, mais à voir comme ça, j'ai l'impression qu'on va peut-être en rajouter un petit peu. Ouais, regarde. Ouais, mais continue à mélanger, parce que quand t'as mis trop d'eau, après, c'est foutu. On l'a pas. Finalement, on l'a pas retrouvé le mouton. C'est lui qui est venu. Merde, je suis en train de. Je voulais pas les faire bouger. C'est lui qui est venu tout seul. Il était juste à côté du grillage là. C'est lui là, le troisième. Ça c'est la maman, ça c'est le fils et ça c'est les deux fils aussi. Alors eux, ils sont super peureux. Hein. On peut pas les approcher. Voilà les quatre moutons qu'on nous a donnés. Sympa, hein? Alors ils ont un petit peu de laine qu'il va falloir enlever. Je sais pas comment on va faire ça. Il faudrait qu'on trouve une tondeuse. Je suis en train de leur faire un petit abri là. Enfin, ça c'est l'abri plutôt pour le foin. On va faire une sorte de mangeoire. Et puis là un petit abri. C'est des trucs de fortune quoi. Je coupe du bois là-bas de l'autre côté et puis en même temps je ramène quelques branches et on fait à l'arrache quoi. Mais bon voilà, il y a quatre moutons ici qu'on nous a donné donc tout ça c'est gratos, voilà c'est pas mal. Hein? Ils comprennent rien. Ah t'aimes bien mettre les. C'est comme la pâte à modeler un peu ouais. Sauf qu'elle est un petit peu collante ta pâte à modeler. Hein? C'est plus cool que la pâte à modeler. C'est plus cool que la pâte à modeler? Qu'est-ce que t'aimes bien là-dedans? Ça colle pas. Ça colle pas? Ouais. Et c'est bon tout de suite, il faut pas le chauffer comme la pâte à modeler. Ah ouais, d'accord. Pâte à modeler de luxe. Mais tu peux peut-être pas modeler autant qu'avec la pâte à modeler, si. Mais en tout cas, je pense que ça relaxe, moi, de faire la pâte à pizza. Hein? T'as vu, c'est tout Tu vas en être tout cool morceaux, après. il n'y a pas assez d'eau. En plus, Je j'ai crois encore beaucoup de. qu'il n'y a pas assez d'eau. Ouais. Ok, on va rajouter un peu. Il y a un bruit super sympa. Je sais pas si on l'entend. Quatrième. Attends, Ouais, coupe, je force, regarde. force. Ah, tu regardes pour faire exactement la même. Allez, ouais, comme avec un couteau, fais un petit peu comme ça. Voilà. Parfait. Pizzaiolo. Oh! Quoi? La classe. Je savais pas que tu savais faire comme les pros.
son. Attends, ça va les gars? Ça se passe bien? Ça va. C'est quoi les chansons italiennes? Oh sole mio. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ah non, ça c'est une chanson révolutionnaire. Emmenez quoi chérie là? Ah, les champignons de l'année dernière. Waouh, les cèpes, pizza aux cèpes. On va faire pizza 4 fromages. Oui. Bon, ça va là? Elle est assez grande, non? Ou encore un peu? Ouais, attends, je vais enlever la mienne, Dim. Je vais enlever la mienne. Ça, c'est notre mozzarella, Nicolas? Nicolas, qu'est-ce que tu fais, Nicolas? On l'a fait fine, pizza à l'italienne, hein, les gars. Убираю уже свою пиццу отсюда, раскатал. Ну сейчас, сейчас заберем. Мучиться немножко. И леса пиццу? Ну. Вот. Надо эту массу делать чуть-чуть. Ça va, non? T'as le temps? Mais je crois que je vais me la faire comme ça, moi, la pizza. Mais dans l'arène, t'as quoi d'autre? Bah, il y a du jambon. Attends. On a des morceaux de viande? Bah, la viande hachée. Mm-hmm. Je vais mettre le porc. Ah, on en a encore ou on a tout dans le hachis? On a plein. Allez. C'est toi qui as fait les bordures comme ça, Léa? Comme ça. Design voilà. De bordure. Waouh. T'as vu la classe, maman? Allez, maintenant, ça c'est la viande de porc. On va faire. Hop. Comme ça. Comme ça. On va y aller, maintenant, c'est super bon ça. Ça fait trop, non? Comme ça. Ça ressemble à de la gretchka quand. Allez, petite. Ça c'est un vieux sauna. Alors ici on a une sorte d'aération naturelle. En fait c'est l'évacuation de l'eau, hein, c'est pas fait exprès, mais ça s'est affaissé un petit peu, maintenant l'eau se barre par là, et en fait ça fait une ventilation naturelle. L'air frais, c'est une prise d'air frais en fait. La chaleur qui est générée par ce poêle, alors ce poêle il est bien parce que il fait. Oui. Ah, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut faire gaffe à ne pas se faire prendre la tête parce qu'elle est exprès assez basse. Ah, là, au fond, ce qu'on voit, c'est les véniques, hein, c'est les branches de bouleau. Donc, je reviens sur le poêle. Comment ça marche? On fait le feu ici. Je disais qu'il est grand parce qu'il fait 1,20 m de long. Donc, c'est bien. On peut mettre des grandes bûches. Il n'y a pas besoin de découper des petits morceaux. Les deux bassines. Alors, j'ai ramené l'eau ici. Hein. On remplit ici, on a ici, je sais pas, c'est 30 litres ça. Après on remplit ces deux-là qui chauffent. Ici on a le feu. Hop. Ça c'est avec une main. Voilà. Alors lui il génère de la chaleur. Là on a. Bah, j'ai le thermomètre, on va voir. On commence le sauna quand c'est 60. Voilà. Et on a. Je sais pas si on voit. Ouais, c'est bientôt prêt. 50, 58. Allez, encore une demi-heure et puis on va se faire le sauna.